Bonjour et bienvenue sur la chaîne Loisirs d'aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans ce podcast comment choisir son détecteur de métaux. Vous pouvez retrouver encore plus d'infos et astuces sur le site prospectiondeloisirs.fr. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter la vidéo pour nous donner votre avis. Bienvenue dans ce podcast dédié à la détection de loisirs et plus précisément au choix de votre détecteur de métaux. Si vous êtes débutant ou expérimenté, vous avez probablement déjà posé les questions suivantes: quel détecteur choisir? Quel détecteur dois-je acheter pour commencer? Où l'acheter? Autant de questions légitimes auxquelles nous allons répondre dans ce guide complet. Choisir le bon détecteur de métaux est essentiel pour une expérience de détection réussie, mais cela peut être difficile de nos jours, car chaque année, plusieurs nouveaux modèles dignes d'attention apparaissent sur le marché. Avant de choisir un détecteur, il est important de comprendre comment cela fonctionne. Un détecteur de métaux se compose de trois parties: un disque de recherche, un boîtier de contrôle et une canne. Les détecteurs les plus utilisés sont des VLF, Very Low Frequency, qui émettent des ondes électromagnétiques dans le sol sous certaines fréquences. Lorsque ces ondes entrent en contact avec des objets métalliques, ils modifient le signal qui sera capté par le disque et transformé en impulsion électrique dans le câble enroulé autour de la canne, vers l'écran de contrôle. Le signal électrique reçu est traité par le boîtier de contrôle qui le transformera à son tour en un signal sonore audible par l'utilisateur. Les détecteurs les plus avancés peuvent même identifier le type de métal dans le sol: fer, cuivre, bronze, aluminium, plomb, argent, or, grâce à leur propre conductivité. Cela permet aux prospecteurs de distinguer les types de métal et de discriminer les trouvailles peu intéressantes. En somme, le choix de votre détecteur de métaux dépendra de vos besoins et de vos préférences. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le fonctionnement d'un détecteur de métaux, vous êtes mieux armé pour choisir le bon modèle pour votre prochaine aventure de détection. Nous espérons que ce guide vous a aidé à répondre à certaines de vos questions les plus fréquentes. Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour trouver le détecteur qui vous convient le mieux, et nous allons vous les présenter tout de suite. Le premier critère à considérer est votre niveau d'expérience en matière de détection de métaux. Si vous êtes novice dans ce domaine, il est conseillé de choisir un détecteur d'entrée de gamme qui est plus simple à régler, avec moins d'options, mais tout aussi efficace pour régler pour bien fonctionner sur des terrains les plus prospectés. En revanche, si vous êtes un prospecteur expérimenté, vous pouvez opter pour un détecteur haut de gamme qui vous permettra d'avoir plus de fonctionnalités et de paramètres à régler. Le deuxième critère à prendre en compte est le type de terrain sur lequel vous allez prospecter. En effet, chaque détecteur est prédisposé à une utilisation spécifique. Si vous allez prospecter sur des champs, un détecteur de type DEUS ou encore un G2UPG de chez Technetic sont excellents dans ce domaine. Pour les forêts, il sera intéressant d'avoir un détecteur puissant de type T2, voire un basse fréquence. Enfin, pour la plage, vous vous orientez plus vers un AS Apex ou encore un Minlab GPX, idéal pour l'eau salée. Toutefois, certains détecteurs peuvent être utilisés pour différentes zones. Par exemple, le Vanquish 540 de Minlab est capable de tout faire à des prix très abordables grâce à sa polyvalence et sa fonction multifréquence simultanée multi-IQ. Le troisième critère à considérer est le budget que vous êtes prêt à consacrer à l'achat de votre détecteur de métaux. Il est important de choisir un détecteur en adéquation avec votre fréquence d'utilisation. Si vous souhaitez commencer avec un petit budget juste pour voir si le loisir vous plaît, optez pour un détecteur d'entrée de gamme. En revanche, si vous êtes un prospecteur régulier, il peut être intéressant d'investir dans un détecteur haut de gamme pour une pratique plus régulière. Le quatrième critère important est la puissance de détection. Il s'agit de la profondeur au-delà de laquelle votre détecteur ne peut plus localiser des objets cibles. Certains modèles peuvent aller jusqu'à 40 cm, mais il faut savoir que cela varie en fonction du gabarit de l'objet recherché.
Le cinquième critère à prendre en compte est la discrimination, qui est la capacité qu'ont les détecteurs de métaux à faire abstraction de nombreux métaux présents dans le sol, mais qui ne sont pas nobles. Certains objets émettent des signaux qui peuvent corrompre les interférences dont se sert le détecteur pour localiser l'objet recherché. Le sixième critère est la correction de l'effet de sol. Certains détecteurs de métaux sont utilisables sur les sols qui ont une. En règle générale, il existe un prix minimum pour commencer à avoir un bon détecteur. Il faut compter au moins 180 € pour avoir un détecteur de métaux digne de ce nom. Ce prix est indicatif, car on considère qu'en dessous de ce tarif, vous aurez un détecteur jouet capable de juste faire du bruit sans pour autant faire ce pourquoi il est destiné, c'est-à-dire trouver des métaux nobles tout en discriminant le fer. Mais où acheter son détecteur de métaux? Là encore, il ne faut pas acheter n'importe où. Il est préférable de se rapprocher de vraies boutiques spécialisées dans la détection de métaux plutôt que de rechercher des enseignes douteuses ou même des marketplaces du type Amazon ou AliExpress. Et même dans les boutiques spécialisées, rares sont les boutiques dont les gérants pratiquent la détection de loisirs tous les jours, en dehors de leur travail. Notre site, par exemple, vous propose un code promo pour la boutique du fouilleur, spécialisée dans les loisirs de prospection. Son gérant et ses employés pratiquent tout la détection de métaux, l'orpaillage et la pêche à l'aimant de façon régulière. C'est donc le meilleur moyen d'avoir des conseils avisés sur les appareils et outils qui vous serviront en fonction de votre type d'utilisation. Enfin, contrairement à d'autres produits, c'est souvent dans ces boutiques que les prix seront les plus bas, avec des garanties assurées, car ils travaillent directement avec les grandes marques de détecteurs. Les détecteurs que l'on appelle bas de gamme, nous préférerons dire bas prix, sont principalement utilisés par les personnes qui veulent juste commencer leur aventure dans la prospection de métaux. Il faut tenir compte du fait que cette passion ne plaira pas à tout le monde, il vaut donc mieux choisir un détecteur de métaux qui peut être revendu assez facilement. Pour les personnes qui veulent acheter leur premier détecteur de métaux, nous suggérons de ne pas choisir de détecteur chinois sur AliExpress ou autre marketplace douteux. Un détecteur, même de base, doit avoir un certain prix et distribué dans des magasins spécialisés dans ce secteur. Le prix minimum pour l'achat d'un détecteur qui ne vous dégoûte pas de ce loisir passionnant démarre autour des 180 €. En dessous de ce prix, vous aurez juste une canne qui fait des bips. Cela permettra d'éviter d'éventuels problèmes de service après-vente ou de réclamation. Vous devez absolument faire attention à toutes sortes de merveilleuses affaires. Il est important de noter que les détecteurs de métaux les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs pour les débutants. En effet, ces appareils peuvent être complexes et difficiles à utiliser pour les novices. Il est donc recommandé de commencer avec un détecteur de métaux de gamme moyenne, qui offre une bonne qualité de détection tout en restant simple d'utilisation. Vous pourrez ainsi apprendre les bases de la détection de métaux sans vous décourager face à un appareil trop complexe. En résumé, si vous cherchez un bon détecteur de métaux, il est préférable de ne pas chercher à économiser sur le prix en choisissant des modèles bas de gamme ou des sites de vente peu fiables. Il est également important de choisir un détecteur de métaux adapté à votre niveau d'expérience et à vos besoins. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre aventure dans la détection de métaux. Si vous êtes débutant dans le domaine et que vous cherchez un détecteur fiable, le Geritas 150 est un excellent choix. En effet, toute la série des détecteurs Geritas est digne d'intérêt. Ce sont des détecteurs de métaux bons, simples, universels et éprouvés, qui peuvent être revendus sans problème après avoir acquis une certaine expérience. Cependant, il y a un détail important à noter. La série S de Geritas est très vieillissante avec une vieille technologie. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, bien au contraire. Si vous recherchez un détecteur de métaux plus moderne, alors le tout dernier détecteur du Minlab australien, le Vanquish 340, mérite également votre attention. C'est le détecteur multifréquence simultané le moins cher du marché et il est très performant. Les Quest X5 et Quest X10, légers, simples et alimentés par des piles, sont également des options à considérer.
Enfin, ne négligez pas les conceptions de base éprouvées d'American Fisher et de Technotique, qui appartiennent d'ailleurs à la même entreprise. Les détecteurs de métaux Technotique étant largement plus populaires en France, ils peuvent également être un choix judicieux pour les débutants. Les Orotech conçus et designés par la boutique du fouilleur sont également des options intéressantes à considérer. Si vous cherchez à progresser dans la prospection avec un budget un peu plus conséquent, la gamme de prix entre 220 et 450 euros offre des détecteurs de métaux plus avancés et performants. Dans cette gamme, les modèles Gerrit sont toujours très populaires, avec le AS300i qui se démarque ainsi que l'EuroAS qui reste le choix de beaucoup de prospecteurs. Même le modèle le plus cher de la série, le AS400i, est basé sur la même technologie que l'AS250 et 150. La simplicité d'utilisation et l'universalité restent les avantages de tous les Gerrit. En effet, l'utilisateur de l'AS150 réussit à se débrouiller avec les modèles supérieurs comme les très populaires modèles AT Pro et AT Max. Cependant, de nouveaux détecteurs sont aujourd'hui sur le marché et peuvent menacer la position de la série S de Gerrit. Le détecteur MicroSimplex de Nocta est une machine moderne pour les prospecteurs débutants, qui peut servir pendant de nombreuses années grâce à sa polyvalence. Ses performances, sa puissance et ses options en font une machine qui peut être performante et durable dans le temps. Mais ne sous-estimez pas les détecteurs plus anciens et éprouvés comme le Fisher 44 et son frère jumeau l'Eurotech Pro, qui sont les détecteurs les plus vendus en France dans cette gamme de prix. Ils offrent une efficacité prouvée et une grande robustesse. Vous avez là deux détecteurs efficaces et fiables pour vous accompagner dans vos recherches de trésors. En somme, il existe une multitude de choix pour les détecteurs de métaux dans la gamme de prix entre 220 et 450 euros. Les Gerrit restent les plus populaires, mais de nouveaux détecteurs comme le MicroSimplex peuvent offrir des fonctionnalités plus avancées pour un prix similaire. Il est important de choisir une machine qui convient à vos besoins et à votre niveau de compétence, car la pratique de la détection de métaux est une passion qui nécessite de la patience, de la persévérance et de l'expérience pour obtenir les meilleurs résultats. Voilà pour notre tour d'horizon des détecteurs de métaux haut de gamme pour les prospecteurs exigeants. Comme vous pouvez le constater, ces modèles ont des fonctionnalités très avancées qui justifient leur prix plus élevé. Mais revenons-en à notre coup de cœur, le Minlab Equinox 600. Avec sa technologie multifréquence multi-IQ simultanée, ce détecteur est véritablement révolutionnaire et devrait devenir la norme dans les prochaines années. Il est étanche et peut envoyer trois fréquences simultanément, ce qui le rend très polyvalent et efficace sur toutes les surfaces. Et n'oublions pas la marque française XP, qui a également sa place dans cette gamme de prix avec son détecteur ORX. Bien que ce modèle soit en réalité un ancien détecteur de la marque, le DPR600, il reste très performant et offre la possibilité de choisir ses fréquences entre 13 et 21 kHz. Enfin, nous avons également parlé des détecteurs technotiques, avec le T2 et le G2, ainsi que du Gerrit Apex. Chaque modèle a ses avantages et inconvénients, mais tous sont conçus pour satisfaire les prospecteurs les plus exigeants. Dans le domaine des détecteurs de métaux, il existe des modèles haut de gamme qui peuvent coûter plus de 900 euros. Certains pourraient penser que ce genre de prix est exorbitant, mais en réalité, il est tout à fait justifié pour les prospecteurs professionnels. Les marques de détecteurs de métaux ont compris que les passionnés de la prospection ne cherchent pas simplement un appareil avec lequel ils peuvent commencer, ils veulent ce qu'il y a de mieux. Et c'est exactement ce que proposent les modèles haut de gamme, comme le Deus 2 XP et l'Equinox 800 de Minlab. Ces détecteurs possèdent des pré-réglages qui permettent une prise en main directe, tout en offrant des options de son, de fréquence et de sensibilité entièrement réglables pour s'adapter à votre façon de prospecter et au lieu où vous le faites. Le Deus 2 XP est un modèle ultra ergonomique et léger, qui propose toutes les options de réglage possibles, sans fil. C'est d'ailleurs l'un des modèles les plus populaires auprès des prospecteurs, avec près de 12% des passionnés en France qui en possèdent un. Quant à l'Equinox 800 de Minlab, il est considéré par de nombreux prospecteurs comme la référence pour cette gamme de prix.
Avec ses deux fréquences supplémentaires et sa fonction simultanée, il est capable de détecter des trésors que d'autres modèles ne peuvent pas trouver. En fait, de nombreuses personnes, y compris des youtubeurs et des professionnels du secteur, ont même prouvé que l'Equinox 800 surpassait le Deus 2 de XP. Certains reprochent en effet à ce dernier de ne pas être à la hauteur de la première version. Alors, si vous êtes prêt à investir dans un détecteur de métaux haut de gamme pour améliorer vos performances en prospection, ces deux modèles méritent certainement votre attention. Bien sûr, il est important de prendre le temps de bien lire la notice et de comprendre toutes les options de réglage pour en tirer le meilleur parti. Mais une fois que vous maîtriserez ces détecteurs, vous pourriez être surpris par tout ce que vous pouvez trouver. Dans cette partie, nous allons répondre à quelques questions fréquentes. La première question est, quel est le prix d'un détecteur de métaux? Eh bien, il n'y a pas de prix unique pour un détecteur de métaux, car il existe de nombreux modèles sur le marché avec des caractéristiques et des prix très variables. Les détecteurs de métaux peuvent coûter aussi peu que quelques dizaines d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour les modèles haut de gamme. Le prix d'un détecteur de métaux dépendra de ses caractéristiques et de ses performances. Les modèles haut de gamme ont généralement des fonctionnalités avancées et une meilleure sensibilité, ce qui les rend plus chers. Cependant, il est recommandé de faire des recherches et de comparer les différents modèles avant de prendre une décision pour s'assurer de trouver un détecteur de métaux qui répond à vos besoins et à votre budget. La deuxième question est, quelle est la meilleure marque de détecteur de métaux? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela dépend de nombreux facteurs tels que l'utilisation prévue, le budget, les préférences personnelles, etc. Cependant, il existe plusieurs marques reconnues dans le domaine des détecteurs de métaux. Parmi elles, on trouve Gerrit, une marque américaine qui propose une large gamme de détecteurs de métaux pour différents usages et budgets. Les produits Gerrit sont réputés pour leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Une autre marque de renom dans le domaine des détecteurs de métaux est Minlab. Il s'agit d'une marque australienne spécialisée dans les détecteurs de métaux de haute performance pour la recherche de trésors et de métaux précieux. Les produits Minlab sont souvent considérés comme étant parmi les meilleurs du marché en termes de sensibilité et de précision. Fisher et Tessenotic sont deux marques américaines qui proposent une gamme de détecteurs de métaux pour différents usages, notamment pour la recherche de métaux précieux et de trésors. Les détecteurs de métaux Fisher sont connus pour leur fiabilité et leur précision, tandis que les produits Tessenotic sont réputés pour leur facilité d'utilisation. Wipes est une autre marque américaine qui propose une gamme de détecteurs de métaux pour différents usages, notamment pour la recherche de métaux précieux et de trésors. Les produits Wipes sont connus pour leur sensibilité et leur capacité à détecter des cibles à faible conductivité. Cependant, il convient de noter que Wipes a cessé ses activités en 2019. Enfin, la marque française XP est spécifiquement connue pour son détecteur phare, le Deus. Ce détecteur de métaux haut de gamme est réputé pour sa légèreté et sa capacité à détecter les cibles les plus profondes. Il est également important d'éviter les détecteurs de métaux de bas de gamme, qui sont souvent proposés à des prix très bas. Ces détecteurs ont souvent des performances médiocres et une qualité de construction peu fiable, ce qui peut nuire à la détection de métaux. Enfin, il est important de noter que certains détecteurs de métaux ne sont pas adaptés à certaines utilisations spécifiques, comme la recherche de métaux précieux. Il est donc important de choisir un détecteur de métaux qui convient à l'utilisation prévue et qui offre des performances adaptées aux besoins de l'utilisateur. Comment utiliser un détecteur de métaux? L'utilisation d'un détecteur de métaux peut sembler compliquée au premier abord, mais cela peut être facilement appris avec un peu de pratique. Tout d'abord, il est important de bien comprendre le fonctionnement du détecteur de métaux et de s'assurer que toutes les fonctionnalités sont correctement configurées. Lorsque vous utilisez un détecteur de métaux, il est important de régler la sensibilité en fonction de la profondeur à laquelle vous recherchez les métaux. Il est également important de régler les filtres pour éliminer les interférences et les signaux indésirables.
Lorsque vous utilisez un détecteur de métaux, il est important de garder le détecteur à une distance constante du sol pour obtenir des résultats précis. Il est également important de balayer lentement la zone de recherche et de faire des mouvements en forme de S pour couvrir une zone plus large. Enfin, il est important de suivre les règles et réglementations locales en matière de détection de métaux, car certaines zones peuvent être interdites ou soumises à des restrictions spécifiques.